Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes jeudi 13 octobre 2022, c'est parti pour une vidéo à action de servant. Petit pot de peinture, il y en a 24 de 22 ml, ils sont à 4,79 peinture acrylique. Tiens, le retour de ces crayons graphite 10 pièces, 1,14 €. Les machines de découpe gaufrage, 39,99 €, donc il y a 4 feuilles, non pourquoi 4 non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 4, non je voulais dire pour A5, et il y a 3 accessoires. Alors, comme j'avais dit la semaine précédente, je ne sais pas si c'est la même qu'il y a chaque année, en tout cas c'est pas le même emballage, ça c'est sûr, mais je ne sais pas si c'est le même modèle que les autres années. En tout cas, si c'est le même, je sais que j'ai eu que des avis positifs sur cette machine à embosser. Alors, c'est vrai aussi qu'en général, après, la semaine d'après, on la retrouve dans la semaine d'action avec une petite promo. Mais le problème, c'est que les promos, je ne les connais pas forcément longtemps à l'avance. Et donc, je ne sais pas, c'est toujours la question. Est-ce qu'il faut attendre les promos au risque de ne pas la trouver ou la prendre à ce prix-là? Après, les pochoirs de gaufrage, il y en a vraiment pas mal. Chez Action, on en trouve de toutes les tailles, toutes les formes. Alors au niveau des prix, ça va de 99 centimes à 3,39 €. Tiens, les crayons de couleur fluo noir. Fluo, ils sont noirs. 1,46 €. Alors c'est pour utiliser, je crois, sur du papier noir. Et il me semble qu'il y en a en rayon... Oui, il y en a en rayon, vous avez trouvé ça vers la peinture. Voilà, papier noir. 1,89 €. Les fameux feutres Sharpie, c'est 1,59 €, il y en a 4. Alors il y a aussi ces feutres, qui sont un peu style, donc c'est en fait des marqueurs permanents un peu style Sharpie. Et en fait, j'ai eu des très bons retours sur ceux-là. Lunchbox de luxe. Alors il y a marqué attention, oui attention, parce que je pense qu'il faut bien entendre le clic pour être sûr que c'est bien fermé. 2,49 €. Il y a plusieurs couleurs, il y a 2 compartiments. Il y a du vert, il y a du bleu. Donc 2,49 €. Pareil, à Action, on trouve souvent des lunchbox. Chaque fois, il y a des nouveaux modèles. Spray d'intérieur ou d'ambiance, bergamote et grenade, 2,86 €. Le retour des boîtes à gâteaux à 4,95 €. Je trouve ça super pratique parce que c'est vrai que quand on doit emmener un gâteau ou même conserver un gâteau à la maison sur le plan de travail, au moins il est protégé, mais quand on doit emmener un gâteau, que ce soit chez des amis, famille, ou je pense aussi aux fêtes de fin d'année, c'est bien de pouvoir le couvrir. Donc la base, il y a du bleu ou du rose, 4,95 €. Et en plus, on peut le mettre au congélateur et passer au lave-vaisselle. On peut s'en servir aussi de boîte pour les crêpes. Alors je dis ça parce que chaque année, dans le mois de janvier, on a normalement en rayon des boîtes comme ça, mais pour les crêpes. Et en fait, l'une de mes abonnées m'a dit, écoute, moi je la retourne, et en fait j'en fais une boîte à gâteaux. Merci à ma copine Karine. Tu vois, je lis bien tes messages. Alors c'est vrai, je t'ai pas répondu, mais j'ai bien vu ton petit message où tu me parlais de cette petite casserole. Et donc tu m'avais dit qu'elle allait aussi sur induction. Donc merci d'avoir pensé à moi. Et en fait pour les œufs. Donc apparemment c'est vraiment pas mal. 5,95 €. Donc on peut faire des œufs dessus. Alors ce que je dis, c'est bien quand c'est des petits ustensiles comme ça, parce qu'on peut faire revenir un petit oignon, de l'ail, une tomate, sans vraiment sortir la grosse poêle ou la grosse casserole. 5,95 €. Et elle va sur induction. Par contre, ça passe pas au lave-vaisselle ni au four. Moi, il y a un petit plat que j'adore avec les œufs. C'est tout simple. Je prends des tomates, je les découpe en petits morceaux.
Des fois, je mets un oignon, je découpe un petit oignon, je fais revenir ça avec un petit peu d'huile d'olive et je mets des œufs comme ça. C'est super bon. Enfin, moi, j'aime bien la tomate et l'oignon. Et je mange ça avec du pain. Alors bien sûr, la recette que je vous ai dit, elle existe en un peu plus améliorée. Mais moi, j'aime bien quand c'est rapide et que c'est simple. Les couteaux, c'est deux couteaux luxe 4 pièces, 8,99. Donc l'ensemble existe aussi en gris métal. Elle est tout au fond. Tiens, ce matin, je vous ai montré cette gamme-là, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Il n'y avait que les grands bols et les petits bols. Donc dans cette gamme aussi, on a les tasses, hein, les grands bols avec la anse. On a les bols comme ça, les plus petits, on en a encore des plus petits. Et les saladiers, on a celui-là, et puis on en a un plus grand. C'est trop mignon. Les petits bouquets comme ça, avec la feuille en dessous. C'est trop mignon. Pour un centre de table. Je regarde s'il y a d'autres couleurs. Je crois qu'il y a du blanc aussi. Voilà. Les deux sont mignons. C'est vrai que celui-là, il est un peu plus naturel. Je me dis, ça peut être sympa aussi au mur à tester. Par contre, je peux pas vous donner le prix. Je vois qu'ils sont là, mais j'ai pas vu le prix. Alors. Au niveau de ces feuilles-là, je vous les ai montrées ce matin, il y a des nouvelles feuilles comme ça en velours. Alors je pensais trouver une troisième couleur, mais non, pareil, il y a vert et cette couleur. Il y a ces branches-là aussi qui sont sympas. Alors, je crois que c'est ça, branche de renoncule, non, c'est peut-être pas ça. Bon, au niveau des prix, je ne peux pas vous donner les prix, je ne vais pas vous donner des mauvais prix, je préfère pas. Après, il y a ça. Et vraiment, au niveau des fleurs artificielles, il y a des nouveautés très souvent, mais ça reste pas en fait. Ça se renouvelle assez régulièrement. Ben voilà, j'ai cherché partout ces tapis, mais en fait, ils sont à l'entrée. Ils sont à 39,95, comme quoi je suis la première à vous dire qu'il faut chercher partout. Je pense qu'ils étaient là même quand je suis venue hier, mais j'ai pas fait attention. Donc, ces nouveaux tapis, ils font 1,33 m sur 1,90 m. Ils sont tout doux. Il y a blanc. En fait, il y a deux, vous voyez, deux types de poils. Et il y a gris. Et ce fil-là, il fait un peu brillant en fait. 39,95. Donc ils sont à l'entrée, hein, juste à l'entrée sur votre gauche. Un petit coucou à Stéphanie. Merci beaucoup Stéphanie. Et puis je pense à ton fils. Je suis désolée, je n'ai même pas demandé le prénom. Merci beaucoup et plein de gros bisous. Les boutons. Alors à chaque fois, j'aime bien faire un tour parce qu'ils sont beaux. Alors malheureusement, j'ai rien à équiper avec ces boutons-là, mais je les trouve beaux. On peut les mettre sur une commode. Alors attention parce que le pas de vis est long. Moi, je les avais mis une fois sur des meubles, un meuble que j'avais mis dans les toilettes. J'ai pris du noir et blanc et en fait, attention, c'est assez long. Donc j'ai pas pu, enfin j'ai pas trouvé d'astuce pour couper. Mais voilà, ils sont beaux. Alors j'ai vu aussi je vous ai parlé du meuble de toilette, mais on peut refaire une commode, une coiffeuse, des meubles de salle de bain, de meubles de cuisine. Si vous voulez donner un petit côté un peu ancien, un peu rustique, ça peut être sympa. J'ai vu une personne qui m'a envoyé une photo. Elle avait un chiffonnier où il y avait au moins 10 tiroirs, et en fait, elle a pris que du noir et blanc. En fait, noir et blanc, mais elle a mélangé aussi, voilà, tout cela. Donc elle a pris différents boutons. Ça faisait super joli. Alors parfois il y a du rose aussi, mais là on est parti plutôt sur du bleu, noir, voilà, noir, gris, taupe. Et ils sont à 89 centimes. Ce matin je vous ai présenté ce minuteur Nutri de 89 qui existe en noir et en blanc. Et je vous ai demandé de mettre en commentaire un petit peu ce que vous faisiez avec ce minuteur. J'ai lu quelques réponses. Alors celle qui est le plus revenue, c'est l'aquarium. Et puis aussi on m'a parlé, je ne sais plus si tu m'as dit machine à laver. Pour les personnes qui ont les heures, alors chez moi, j'ai pas, malheureusement, j'ai pas ces heures-là, les heures creuses, les heures bleues, EDF, où je crois qu'à partir d'une certaine heure, c'est des tarifs préférentiels. Et donc la programmer pour que ça parte à partir de l'heure où c'est le moins cher au niveau électricité. Voilà, donc vous pouvez rajouter hein, si vous l'utilisez pour quelque chose d'autre, comme ça permet de donner des idées. Il y a ce capteur, lampe capteur qui est revenu, mais en noir. Voilà, alors donc c'est une lampe capteur qu'on peut mettre soit dans une penderie. Moi j'en ai mis dans la penderie de mes enfants, comme ça quand ils ouvrent, ben ça s'allume.
Ça faut. Enfin, moi, je l'ai. Comment dire? Je l'ai fixé, puis après, il y a un aimant entre le petit support et la lampe. Après, il y a d'autres idées hein, dans les tiroirs. On peut mettre ça. Voilà, ils ont mis ça sous un meuble. On pouvait mettre ça dans la cuisine. Voilà, mais la nouveauté, c'est que maintenant, ils sont en noir. Les 7 de phare pour voiture H7 de la marque Philips, 7,95. On a juste le phare. H4, alors je vois H4 sur l'étiquette. Je vois H7 là. Donc H7, ils sont à 4,99. Alors il devait y avoir du H4. Hein. Ah non, H4, ça doit être ça en fait. Bah non. Non, ça c'est le set d'ampoule auto H4 428, celui-là. Xénon. Et après, il y a la petite boîte à 2,28. Mais celle-ci, il n'y a pas du coup le pour le phare. Pour les phares. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite nouveauté. C'est des LED pour voiture. Il y a 2 mètres de câble. Pour que. Non, on ne dit pas customiser. Je ne sais plus comment on dit. Pour la voiture, je ne sais plus. Je sais plus. 4,95. Vous savez, pour dire qu'on customise sa voiture, il y a un nom. Alors, je voyais plusieurs couleurs, mais je comprenais pas, mais c'est écrit là. Donc là, c'est blanc. Là, c'est bleu. Ah, voilà, ça va faire un effet bleu comme ça sur le tableau de bord. Et je vois qu'il y a du rouge. C'est pas du pumping. Il y a du rouge. Pour avoir la voiture, l'intérieur rouge. 4,95. C'est quoi ça? Phare jour plus clignotant. 9,99. Pareil hein, pour pumper sa voiture. Je sais plus, je me souviens plus du mot. Tac, il y a 2 x 120 LED, il y a 2 x 45 cm. 9,99. Alors je sais que vous êtes nombreux à m'avoir soufflé là derrière le mot, mais j'ai pas entendu. Comment dire? Le déshumidificateur voiture 2,98 donc avec l'indicateur qui vous dit si c'est plein ou pas pour enlever l'humidité du pare-brise et en fait une fois qu'il est plein, enfin qu'il est bien mouillé, vous pouvez le passer au micro-ondes et le réutiliser 2,98 les gamelles hein, pour hop celle-là voilà les gamelles pour chien de Noël 2,99. Oh, ça c'est nouveau aussi. 3,99, c'est le ballon avec toutes les ficelles là pour tirer là. 3,99. Et ça ne fait pas pouet-pouet. Je retourne côté voiture parce que je vois cette éponge. 65 centimes. Donc c'est de la peau de. Enfin, je ne sais pas si c'est de la vraie ou pas, peau de chamois. Ah, ça c'est bien ça pour le scotch. Le distributeur, ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu. Tiens, 3,79. Ça permet de scotcher. Alors, il faut avoir le coup de main. Hein. Je me souviens au début quand je l'avais utilisé, je me suis dit, mais non, c'est pas pratique. Hein. C'est mieux sans, mais une fois qu'on a compris le coup de main, bah, c'est vrai que c'est super pratique. 3,79. Il y a tout, ça coupe, ça fait tout. Si vous devez faire des cartons, vous allez être dans le déménagement ou autre, pensez à ça, ça facilite quand même. Tiens, ça aussi, avant, ils n'avaient pas les dominos. 1,99 €. 2 x 12 pôles, 4 mm et 10 pôles, 6 mm carrés. Alors, je ne sais pas si on dit comme ça. Je vais dire, ah si, je vois les petits. Je ne savais même pas qu'il y avait différentes tailles de dominos, vous voyez. 7 de juin, 1,79 €. Alors, c'est le genre de choses qui coûtent vraiment pas cher, hein, 1,79 €. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi j'achèterais une boîte de joint? J'en ai pas besoin. Mais quand on a une fuite au niveau du lavabo, bah c'est super utile. Et c'est vrai que des fois, on n'y pense pas. Hein. On pense pas quand on a une fuite ou quand c'est bouché, à aller par exemple en dessous de l'évier pour soit enlever pour déboucher, soit regarder quand ça coule, si c'est pas juste le joint qui est usé. Donc 70 pièces, 1,79 €. C'est un gant de travail. 4,39 €. Tiens, ça c'est nouveau.
Kit installation 9 pièces pour mur à colombage, 13,95. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est vrai que moi j'aime bien le bricolage et du coup bah, je regarde même si je sais que je vais pas avoir besoin de bricoler, mais je regarde. Et en fait, alors je vois qu'il y a ça, je vois qu'il y a ça, donc une sorte de tournevis. Mais je me demande, ça c'est pas pour poser, vous savez, les plaques au plâtre là. Donc il y a une pince à sertir pour cloison sèche, si c'est ça, je crois, les cloisons sèches. Un cisaille, coupe droite, un porte-en-bout, scie en bout. La pince à sertir permet de fixer les éléments en métal sans vis ni rivet. La cisaille permet de découper facilement de minces tôles d'aluminium et d'acier. Voilà. Les papiers peints circulaires, ils sont à 13,95, ils font 1,25 m de diamètre. Et si vous les cherchez, ils ne sont pas au rayon déco, ils sont au rayon papier peint. Enfin, ici en tout cas, c'est avant, ils sont au rayon papier peint. On a celui-là, on a celui à la jungle. Il est super sympa si vous avez les chambres d'enfants comme ça sur le thème de la jungle. Il y a les fleurs. Alors il y en a un que j'arrive pas à retrouver, c'est celui avec les pampas. Il est magnifique. Mais c'est vrai qu'on a du mal à le retrouver. 13,95 et la colle est incluse. Ah ça aussi c'est le truc qui sert bien. C'est un racleur de joints, 98 centimes. Donc quand vous allez poser vos joints, que ce soit les joints de lavabo, baignoire. Vous allez utiliser ça pour lisser. Voilà. Je vérifie quand même. Je me dis peut-être que je dis des bêtises. Alors des fois, je suis tellement sûre de moi, mais après, je vérifie quand même. Vous voyez, hop. Et après, il y en a différents. Donc il y en a que vous allez lisser droit, il y en a où vous allez donner un angle. Après, on peut faire ça aussi avec son doigt et tremper dans du liquide vaisselle ou une pomme de terre. Ça marche aussi bien, mais c'est. Voilà, si on a envie vraiment le truc nickel, nickel, pour 98 centimes. Je pense que c'est intéressant. Alors voilà, c'est pour utiliser avec ça. Si vous devez refaire, pas ça. Voilà, là, acrylique. Tiens, on en a ici. Mastic, 1,45 €. Et celui-là est à 2,99 €. Pareil, tout à l'heure, je vous parlais de fuite, etc. Si vous avez une fuite en dessous du lavabo ou en dessous de la baignoire, pensez aux joints. Parce que des fois, les joints, ils craquent. Et en fait, c'est tout fin. Et on pense pas que c'est ça, mais il suffit juste après de refaire vos joints. Alors je ne sais pas s'il faut refaire ces joints tous les ans, tous les 2 ans, tous les 10 ans, j'en sais rien. Mais si jamais vous avez une fuite, vous arrivez à avoir une fuite sur le long du mur ou quelque chose comme ça, vérifiez si ce n'est pas votre joint qui est mort. Le retour de ces petits oiseaux sur pince. 1,87 €. Alors ici, ils sont au rayon Noël. Donc au début du rayon Noël, il y a encore quelques articles d'automne. Donc il y a ces petits oiseaux. C'est pas des inséparables, mais on pourrait dire ça. Oh, ils sont trop mignons. 1,87 €. Et ben voilà, les moules silicone de Noël. Non, c'est moules à chocolat. 99 centimes. Bon, on peut faire après des petits, je sais pas, des petits gâteaux, peut-être des petits brownies ou des choses comme ça, hein, pourquoi pas. Mais c'est des moules à chocolat. Tiens, ça, on ne les a pas eu l'année dernière. Par contre, l'année dernière, on avait eu des moules pour faire des sapins en 3D. Alors, on a ça, on a cela, et puis on a. J'arrive à les attraper. On a que les étoiles, mais avec des différents motifs. Par contre, ça, par exemple, le chocolat, je ne me suis jamais fait de chocolat. Faudrait qu'un jour, je teste. Désodorant textile, hein, ça, on l'a vu hier, 2,29 €. La marque Woolit, 24 heures de fraîcheur, air marin. Ça peut être aussi pour la voiture si vous avez des sièges en tissu, hein. Un ensemble en velours noir avec le haut et le bas. Alors c'est pas une veste, hein, c'est un haut qui est fermé avec manches longues. Ils sont à 10,99 €, donc il y a des petites bandes de couleurs. Il existe aussi en gris avec les bandes argentées. Les pyjamas chauds, hein, pour cet hiver, ils sont à 10,99 €. Il y a rose aussi. Il y a un petit tour côté jouets. Alors j'ai regardé les style Game Boy ne sont pas revenus. Il y en a eu, il y en a eu. Et puis là, je guette parce que je sais que beaucoup m'ont demandé de leur indiquer quand est-ce qu'ils seraient en rayon. Et malheureusement, en tout cas ici, il n'y en a pas. Les poupers de méduse. On avait ça quand on était aussi plus jeune. 99 centimes. Oh, c'est sympa ça pour fabriquer ton propre sac. 1,99 €. Alors vous voyez ce genre de.
de jeux, ça peut être vraiment sympa lors d'un anniversaire. Alors soit on le fait pendant l'anniversaire, hein, ça peut être une activité à faire, soit on le glisse dans le petit sac cadeau. Et je sais que ça fait plaisir parce que l'enfant repart avec un petit jeu ou un petit jouet. Et bah, il est content. Donc il y a la licorne, il y a la glace. Voilà, il y a ces deux-là. Quelque chose qui plaît aussi, c'est les petits bracelets. 89 centimes. Pareil, hein, on peut faire un petit atelier fabrique ton bracelet. Ou on peut offrir ça dans le petit sac de bonbons, hein, 89 centimes. Après les sacs de bonbons, moi je sais ce que je fais. Ce que je fais, c'est que je fais. Oh là là, je suis fatiguée. Ce que je fais, c'est que je me mets un petit budget dans le sac. Allez, je me dis, chaque enfant aura tant dans le sac. Et après, je mets des petits jouets et des petits bonbons. Parce que le sac plein, plein de bonbons, bon, c'est bien, mais c'est vrai que quand il y a un petit jouet, ils aiment bien. Ça peut être un petit jeu là, comme ça, ils aiment bien aussi tout ce qui est comme ça. Ça peut être vraiment, voilà, n'importe quel petit jouet, ils seront contents. Ce qu'on peut faire aussi dans les petits sacs pour les filles, c'est acheter un petit ensemble de vernis comme ça, puis en mettre un dans chaque sac. Alors ça peut être un vernis, ça peut être un gloss. Les poupées dans leur petit transat là, 7,95. Les mini Nerf, 3,99. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais mes enfants ils adorent les Nerf. Hein. Je crois qu'on a deux, trois modèles différents à la maison et à chaque fois c'est un plaisir quand ils l'ont et tout ça. Mais je finis toujours par leur enlever, leur cacher parce qu'après ils commencent à tirer un petit peu partout. Et du coup ça finit toujours dans un placard ou dans un tiroir, mais il y a des fois où je ne me souviens pas où je l'ai mis. Voilà, comme le dernier que j'ai pris un grand, mais du coup je ne sais plus où je l'ai mis. 3,99. Alors il y a les balles ici aussi. Hein. Bon, je ne les vois pas comme ça, mais en fait les balles qu'ils vendent à Action, ça va aussi sur les Nerfs. Hein. Après pour les plus petits, ça peut être, vous voyez, un petit livre. Alors moi, vous avez remarqué, hein, quand je commence sur les anniversaires, je vous donne toujours plein d'astuces parce que moi je sais qu'avant j'aurais bien voulu connaître toutes ces petites astuces pour les anniversaires. Bon, il y a les Disney, vous voyez, 79 centimes, ça peut plaire. Alors ce qui plaît encore plus aux enfants jusqu'à 6 ans, jusqu'au CP, c'est ça. Les petits livres de coloriage, vous voyez, ça vaut 49 centimes. Et un petit livre comme ça peut que faire plaisir. Bon, j'arrête avec les anniversaires. J'ai le douche côté homme. 2,39. Alors pareil, ce que j'aime bien dans les produits d'hygiène et beauté chez l'homme, c'est qu'un flacon pour eux, ça fait tout. Ça fait le corps, les cheveux et le visage. Nous, il nous faut un produit pour les cheveux, un produit pour le corps, un produit pour le visage. 2,39. Enfin, je dis ça, mais après, côté homme, il y a aussi y a de la crème pour le visage. Alors ici, il n'y a pas tant de produits que ça pour le visage et produits de beauté. On trouve souvent du gel douche, l'après-rasage et tout ça. Mais après ça existe. Hein. Ou bien juste le shampoing, par exemple. Vous voyez, on a celui-là, Nivea Men, 1,99 €. Le coffret spa, vous voyez, là il y a tout. Il y a pour les cheveux, la crème pour le jour. C'est quoi ça? Après rasage, gel douche. Et pour le visage, 6,95 €. Alors j'ai du mal à voir parce que c'est écrit là en argenté là. Les faux ongles adhésifs brillants, il y en a 24, press on, donc c'est autocollant, je pense qu'on dit comme ça, 1,44 €. Il y a noir et blanc et gris là. Les trois modèles que j'ai trouvés. Allez, on va les côté salé pour me remettre de toutes ces émotions. Je vois qu'il y a une petite nouveauté, enfin c'est le packaging. Les petits Doritos là, d'ailleurs, c'est très bon, paprika et barbecue miel. Donc c'est des petits sachets à emporter. 2,49 €, il y en a 8. Voilà, sinon les paquets, les grands paquets, c'est ceux-là, 99 centimes et à 115 grammes. Bon, bien sûr, comme partout, quand on prend un petit paquet comme ça revient plus cher au kilo. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant si on a envie d'emporter, pas forcément le gros paquet. Et on finit par ça, les sticks naturels, 99 centimes, et ceux-là au paprika. Moi j'aime beaucoup au naturel. Alors j'ai été agréablement surprise, parce que je m'attendais à, vous savez, comme les petites chips frites, pas du tout. C'est léger parce qu'en fait c'est incurvé. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi comme d'habitude, j'ai aimé la tourner.
Alors, merci encore à Stéphanie et à son fils. Alors, j'ai rencontré une autre abonnée, mais j'ai oublié de te demander ton prénom parce qu'on est parti dans une autre discussion. Voilà, je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.